Alors là, je te sais comme un ouf le match qui arrive maintenant. C'est donc le match entre Dragoon et Hibiki. Je pense que ces deux joueurs sont faits pour s'entendre, vu la capacité à d'Hibiki à distiller du sel. C'est-à-dire que cet homme produit plus de sel que la mer morte tout entière. Et la capacité de Dragoon à être allergique au sel, une allergie qui lui fait pousser des rashkits compulsifs. Donc du coup, je pense que ça va nous donner des très beaux jeux. Si en plus, on saupoudre le tout comme le ferait Salt Bae avec un petit peu de lag, là je peux vous dire que le combo sera explosif et qu'on ne reverra même pas la fin de ce match. En tout cas, pour le moment, Isaac vient s'asseoir à côté de moi en se brossant les dents et on va donc assister à ce match entre Dictateur et Zangief. Zangief qui est devenu une machine à tuer, il était déjà extrêmement fort dans la saison 2. Ouais, mais attends, rigole pas Ryuzaki, parce que Zangief c'est fort, c'est genre fort. Et donc le guac de notre ami Hibiki commence dès maintenant, il ne bouge pas et du coup tu te demandes ce qu'il fait, est-ce qu'il a décidé de jouer ou pas. Mais bon, visiblement il prend un pile driver direct hein, en coach shooter en ouverture, c'est Peter ce perso. Ouais mais attends, alors c'est magique cette série de coups de pied absolument magique. Qu'est-ce que t'aimes bien Isaac? Le gros musclé, tu l'aimes bien? Eh ben écoute, ça tombe bien, moi aussi. Zangief, c'est trop bien. Ah, cette tentative de contre de la part de Dragoon, mais ça ne marche pas. Et là, il se fait moukoubiniser dans le coin à la chope. Et là, la prochaine, là, ça bourre le petit pied. Non, mais sans rigoler. Ah, dommage, la chope fait qui ne passe pas. Sa T-Bag, je ne sais pas, sa T-Bag, ça bourre, super. Et oui, là, il n'y a pas d'arnaque. La teneur en salle de ce match est quand même assez hallucinante. Allez Dragoon qui avait bien démarré pourtant, mais Bison il est quand même très très difficile à manœuvrer. Ah Kevin qui malheureusement nous quitte direct, quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, c'est pas grave, elle est là, c'est pas grave. En tout cas, Dragoon qui va donc chercher à trouver comment le casque, trouver comment se battre contre ce magnifique petit dictateur des familles qui est particulièrement difficile à jouer, qui est je suis en train de discuter et là pour le moment c'est très compliqué. Ah bah vas-y, dis au revoir bien sûr. Au revoir tout le monde. Isaac, tu veux dire au revoir toi aussi? Non, il veut pas dire au revoir. Parce que Isaac il dit pas au revoir parce qu'il est pas encore parti. Allez, bien joué, utilisation du V-Trigger, mais ça ne marche pas. Et là, il manque voilà un dégât et ce sera une chope. Ce sera une chope qui en finira sur ce premier match. Allez, Dragoon, il y a tout le monde qui dit au revoir. Et Dragoon qui éprouve des difficultés pour avancer sur ce dictateur, et c'est bien normal parce qu'en fait Issou ne part pas s'il te plaît. Voilà, Issou tu restes là hein, Issou qui est l'idole de mon fils qui reste là s'il te plaît. Pour le moment voilà, il n'est pas facile la shop qui est trouvée. Encore un jeu d'achat en petit point Souliarek. Petit point et donc shop qui pousse. Merci Souliarek de la part de ma fille, je crois qu'il t'a entendu. Ouais, pour le moment, et en plus il ne bouge pas et bat petit point entière. Franchement c'est quand même vraiment n'importe quoi. Il a dit Issou, il a mis ok d'accord je reste là Isaac. Allez bien joué, l'utilisation de voilà bien, l'utilisation du V-Trigger de la part de notre ami Dragoon. Dragoon qui tente le reset, mais là tout simplement. Ah par contre c'est dommage de prendre ça. Et là il tente. Mais si, c'est, il l'a mis en haut et c'est parce que c'est revenu à l'ennemi. Et là, le pauvre Dragoon qui n'arrive pas très bien à savoir comment prendre ce match-up en main. En fait, Hibiki qui décide de ne pas bouger et du coup qui n'ouvre absolument pas le versus, qui ne permet pas à Zangief. Oh, ce serait bien joué l'utilisation du Lariat pour passer à travers la boule X là. Par contre, complètement schnapsé les coups de pied. Alors ça, moi je pense que j'en m'y habituerai jamais. Par contre, bien joué encore ce dash. Hein, qui passe à travers, voilà, non, c'était un peu de trop loin, ouais, voilà, mais je vous l'avais dit, il suffit de saupoudrer un peu, et là, c'est direct, c'est automatique. Non, Rufus, non, il n'y a plus de Rufus, là, Rufus, il n'est plus là. Wow, la room, elle s'est vidée d'un coup, hein.